Eh bien le bonjour, bonsoir à tous, c'est Akama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play Pokémon Écarlate. Du coup, on va continuer évidemment, et je sais plus ce qu'il faut faire, voilà. Donc tout simplement, il faut que j'aille... comment ça marche ici? Merde, j'ai cliqué sur quoi sans faire gaffe maintenant? Ah non, ça c'est le truc en ligne, on s'en fout. La carte. Il y a moyen de choper la carte quelque part là? Ah voilà. Voilà, c'est ça. Et je dois aller. Je sais pas. Ah, on peut choper des tarses à aller sur la route. Ok. Ok. Attends, je suis en train de me dire est-ce que je dois aller où? je sais pas. Hein. Je sais pas. Bref, sinon on continue. Hein. C'est paisible ici, c'est bien. Bon, sinon on va faire un truc tout con, on va juste continuer tranquillou. Oh, il y a le torse noir et le torse stylé. Alors, par contre, il y a un objet là-bas, par contre, là c'est banco. Hein. Je vais tout de suite le récupérer. Voilà. Un antidote, parfait. Allez, yes, première baisse de framerate, j'adore ça. Ah là là. Non mais c'est bien, c'est en vrai, c'est le jeu, il est bien. Hein. C'est juste que elle est moche et qu'il est buggy. C'est quoi ce bruit? D'accord, ok. Elle a... Ok, d'accord, elle a ripopé ici avec son Pokémon. Alors, zone sud numéro 1. Ok. Alors, pour vous dire, là, je sais pas où est-ce que je vais aller, donc, mais bon, du coup, on va aller récupérer les objets en masse. En tout cas, tout ce qui traîne. Une Pokéball, tiens, ça c'est gratuit. Ah, il y a un Granivol, j'ai vu. Qui vole, MDR. C'est quoi ce truc là derrière? C'est un Pokémon? C'est quoi ce truc? Pièce de quoi de mort? J'ai du truc. Ah! Ah! Bon bah attaque hein! Morsure. Aïe! Oh, j'ai même pas soigné mon Pokémon, c'est quoi cette arnaque? Vas-y, mange-le! Mange-le, Poissacha! Bon, il fait que me baisser la défense, mais ça sert à rien. Parce que là, il va être KO. Même pas, mais j'en foutais de ma gueule. Ah, il a la trouille! Chet! Ah ouais, il est déjà level 8 quand même aussi! J'ai pas capté. Oh, ça fait de l'XP en plus. Hein. Yay! Aiguisage. Ça veut dire quoi, aiguisage? Alors, aiguisage. Le lanceur augmente l'attaque et la précision. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Parce que moi j'étais plus en mode. Ouais. Ouais non, bah les couilles. Bon, alors j'en étais où? Putain, attends, je me barrer avant que je me fasse agresser de nouveau là. Pokéball, ok. Est-ce que c'est pas comme ça déjà... Bah attends, déjà on va pas faire le con. Hein. Ça on le récupère. Voilà, une potion, voilà. On va soigner les Pokémon parce que là c'est un peu la merdouille, comme on dit. Hein. Ouais, j'ai pas parlé, j'étais en train de bugger, j'étais en train d'admirer les... Putain. Ouais, faut regarder le jeu de loin. Hein. Alors, soigner. Et ouais, je suis venu derrière. Oui, je voudrais soigner pour Pokémon. Je ne sais pas où aller, je voudrais enregistrer mon anniversaire. J'ai besoin de rien. D'accord, ok, pour me soigner Pokémon. Oh.
Oh, elle est sympa la petite animation là. Parfait. En fait, je sais pas si vous le savez, mais lorsque ça va aller rendez-vous son Pokémon le plus proche afin de demander des conseils personnels de santé, vous pouvez par ailleurs enregistrer des destinations recommandées dans votre motisme. Ok. Vous êtes peut-être déjà au courant, j'espère que ça sera utile en tout cas. À bientôt. Mais du coup, alors il faut que je fasse quoi? Je ne sais pas où aller. Si j'avais une destination à conseiller, ce serait l'école. Rendez-vous à l'académie orange, profitez de la rentrée des classes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille faut que j'aille dans la prochaine ville. Elle s'appelle de nouveau comment cette ville? Maelos. Je sais plus. En tout cas, faut que je me dirige vers l'école qui est normalement, tu vas voir d'ici, elle est là-bas. Ah, il y a un peu de chemin quand même. Ah, il y a un peu de chemin quand même. Bah c'est parti hein. Zone sud numéro 1. Allez, Zebordi. Alors déjà, est-ce que lui... Ah, t'as deux Pokémon. J'en ai 6 connards. Allez, on va t'affronter. Eh bien moi j'ai deux Pokémon sur moi, c'est trop bien. J'en ai 6, mais c'est pas grave. 6 c'est plus dans la PC, donc bon... Enfin, dans le PC, pardon. Ah, la série, c'est trop mignon. J'encule du coup ce chat. Attaque. Dégage. Et ça dégage. Rien ne se passe. D'accord, bah je vais le manger alors. Vas-y pour Sacha, bouffe-le. Oh, pas trop efficace, mais au moins, il est KO. Yeah. Mais dis donc, un malos. Un malos. Un malos. Là d'accord, c'est un petit feu le bordel. Hein. Je crois qu'un Pokémon qui peut contre le bordel. Ah, pas grand chose en vrai. Hein. Et j'ai du plante vol. Type Terra Crystal. C'est quoi c'est quoi? C'est moi j'ai des types Terra Crystal, je connais pas ça frère, moi j'ai pas regardé les trailers. Hein. Ok d'accord. Corridor, je peux pas le choper. Enfin, vas-y, on reste une fois que pousse à chasse, ça va pas être trop mal. Faut juste pas qu'il envoie d'attaque d'attaque type feu, ça devrait le faire. Nyaouf. Pas très efficace, d'accord. Grondement, ça va. Pas trop mal. Est-ce que Griff ça passe un peu mieux, Griff? Ouais, ça passe beaucoup mieux. Parfait. Nickel. Et Granivol qui level up, c'est parfait. Il va prendre vent féerique. Vent féerique, ça fait quoi? L'ensemble de la chaîne a un vent magique qui cingle. Quoi, qui cingle la cible? J'adore quoi ça. Ah, il a vol lui, ça c'est intéressant. Écoute, attends, vent féerique ça a combien de puissance? 40? Vas-y, on dégage. Trompette. On dégage trompette en vrai. Hein. C'est de la merde trompette, ça sert à rien. Bon pour l'instant je sais pas ce que je vais faire comme équipe, bon j'ai gardé Poussacha dans l'équipe ça c'est sûr, après ce que je vais faire comme team après. Aucune idée. Mais les Pokémon. Bah déjà tu vas te calmer. Ouais non 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 tu pas touche. Ah y'a un objet là-bas, parfait. Y'a deux objets là-bas. Oh là là. Oh là là. L'exploration. Pokéball. C'est Pokémon là, je crois que je les ai déjà. Encore des objets. Ah, j'ai ramassé tous les objets, j'en ai rien à foutre. Hein. Potion. Fais voir, non, celui-là, je l'ai déjà comme Pokémon. Par contre, lui, je l'ai affronté. Lui, je l'ai affronté. Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école, mais d'abord, je vais t'affronter. Eh, peut-être, ça te dira de combattre Pokémon avant d'aller en cours. Allez. Et tiens, le nettoyeur, vous. Oh. Il est beaucoup trop enjoué. Wouah. C'est quoi ce Pokémon? Un Gloopty. Wouah, ça fait tellement de ça que je l'ai pas vu celui-là. C'est quel type déjà ce truc? Poison hein. Aucune idée.
Ok, résister aux touches coulantes. Ouais. Est-ce que morsure ça passe? Ça passe beaucoup. Ah, qu'on critique. Ah bah oui, bah là c'est beaucoup mieux. Lol. Par contre, il est drôle le 3D là de Gloopty. Ah, je l'ai déjà battu. Allez, travaille bien. Merci. Alors, ce Pokémon là, je l'ai déjà chopé. Ah, un gris. C'est pas comment tourne-grain. Griffe. Ok. Oh le bâtard, il vole le vie. Oh. On va capturer le Pokémon, hein. Interpeller tous comme on dit. Hein. Parfait, ok. Avec ça là je pourrais le. Récupère un peu de PV, c'est pas grave. Ah non, j'avais été capturé. Mmh. Et hop. Parfait, allez, ça c'est bon. Nickel. Attends, j'entends le truc cochon là qui est à côté de moi, il est en déconne. Donc je me vérifie ça. Alors, ce Pokémon tombe soudainement du ciel le matin. Conscient de ta faible constitution, il ne fait que se nourrir jusqu'à ce qu'il évolue. J'avoue que c'est vraiment un tourne-grain à combat, il va pas faire grand chose. Hein. On va l'envoyer dans la boîte PC. Voilà. Oui! Il y a un Pokémon en plus dans le Pokédex. Il n'y a pas d'objet qui traîne avec moi. Attends. Alors, j'ai combien de Pokémon ici? Ok, j'ai. Le chien brioche, il est assez drôle. Par contre, je vais voir le. Il y a quoi comme Pokémon ici? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un Pichu, il y a un petit rouge-gorge, il y a un petit. Je sais pas comment il s'appelle, et ça, j'ai. Et oh, putain, je commence à avoir du drift sur le joystick, ça commence à m'énerver. Par contre, je ne sais pas ce que c'est comme Pokémon, ça, par contre. Ça me paraît carrément bizarre. Oh, un Monzai! Un Monzai! Le Monzai! Je vais essayer de choper le Monzai. Mais là, la trouille, il peut plus attaquer. Parfait. J'aime ça. J'aime quand tu seras bien. Ok, parfait. Il a la trouille, il peut pas attaquer. C'est nickel. Maintenant, je le capture. Oh. YOLO. Le Monzai. C'est trop drôle comme Pokémon. Surtout son évolution, c'est trop drôle. C'est Mulard. Ouais. Écoute, c'est ça qui monte de level. Alors, il régule le surplus d'eau de son corps en éliminant par les yeux, ce qui donne l'impression qu'il pleure. Ah, c'est pour ça dans le dessin animé, il chialait tout le temps. Ouais, putain, par contre, il a l'air paniqué hein, sur son modèle. C'est pas mal ça, c'est drôle. Là, par contre, je suis curieux de voir ce que c'est ce Pokémon que je connais pas. Alors, il y a deux Monzai, non, le Monzai, je déjà, s'en fout. On dirait une espèce de crocodile chelou. C'est ça? C'est ça. C'est quoi ça? Oh putain, il ressemble à rien. Mais là, il a une de ses gueules. Gribou règne. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Oh là, j'ai de la chance. Bombe acide. Oh. On va le capturer. Gribou règne. Oh la vache. Gribou règne. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Vas-y, fais voir le Pokédex là ce qu'il dit. Pokémon souris venin. Ce Pokémon est d'un naturel doux, mais lorsqu'il se met en colère, il mord à l'aide de ses incisives acérées et imprégnées de venin paralysant. Ah! Yeah. Il a une gueule ce Pokémon, je te jure, c'est incroyable. Ouah, y'a une araignée d'eau! Oula, j'ai failli tomber dans l'eau.
D'ailleurs, parce que si on tombe dans l'eau, on peut nager ou pas? J'ai pas, j'hésite. Ah! Ok, on sait pas nager, ok. Du coup, je sais comment pour t'attraper. Merde, c'est quoi le bouton pour balancer les. D'accord. J'ai essayé quelque chose, mais ça marche pas. Ah! Voilà, c'était ce bouton-là. Parfait, j'ai cherché le bouton. Alors, je vais balancer un feuillage avec de la chance, il va pas le one-shot. Ouais, ça va. Ah non, 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 tu sais quoi, on va faire tout de suite. On va essayer tout de suite de le choper. Bon, ok, c'est une mid-life, mais normalement, les premiers Pokémon sont faciles à choper. Hein. Parfait. Putain, j'enchaîne les Pokémon là. J'enchaîne les Pokémon, c'est bien ça. Un Aragdou. Nickel. Insecte haut. Ok. Alors, il est généralement dans les étangs, mais on peut en trouver dans les flaques d'eau en ville après des averses. Bah ouais, comme des vraies araignées d'eau, quoi. Lol. Allez. Parfait, ça. Ah putain, le plan est tellement beau, si ce serait pas... Bah, c'est moche. D'accord, ok, il y a un psycho quoi qui est bloqué bleu dans un rouget. Ok. Maintenant t'es pas en plus, ça c'est cool. Putain, je sens que l'exploration ça va y aller, hein. Oh la vache! Parce que ça des objets un peu partout comme ça. Oh! Oh, je vais très peu avancer dans les épisodes. Et hop. Ah non, t'y brûles. Ok, j'ai un nouveau truc, ça c'est cool. Je pense que j'ai ramassé tous les... Ah non, il y en a un en face. Il est trop cool ce Pokémon. Bah attends, je vais te détruire tes rêves. Oh, pas cher Ezou, c'est trop mignon. Sale gosse. Les gamins. Oh, il y a de nouveaux Pokémon aussi là. Je sais plus comment il s'appelle. Kilocroc, ouais c'est ça. On va faire gage. Hein. Normalement c'est un petit pot, normalement ça doit passer. Hein. Allez, ça c'est fait. Une fois. Écho, chargeur, nanana, nanana, oui. Le Pokémon électrique, on va peut-être le garder. Le chargeur, ça fait comme le lanceur, se charge électrique et augmente la puissance de sa prochaine attaque électrique qu'il utilise. Ça, la limite, on va le remplacer par griffe. Sa charge d'électricité, c'est pas trop mal. Voilà. Et on a battu le gosse. Parfait. Ah, t'es dégoûté, hein, sale gosse! Ah bon, ça fait pas des trop cool dans la vie? Ben non. Par contre, ça je vais prendre. Je prends l'objet. Il loue le Pachirizu. Il loue le Pachirizu. Non, c'est pas le Pachirizu. Il loue. Putain, je l'ai vu tout à l'heure. C'est barré où? Non. Oh non, j'ai le seum, il s'est barré où? Oh, elle est dans l'arbre! Polo, qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce Pokémon là que je voulais affronter, mais c'est pas grave. Oh, la douleur. Aïe, ça va pas le faire. Oh, oh. Tempi. Alors bah du coup attends, on va prendre pro. Voilà, on va l'électrocuter. Bon, il est clair, hein. Pas déconner non plus, hein. Voilà, ça c'est fait. Ouais, j'aime ça mieux comme un Pokémon KO, j'adore ma vie. C'est un peu relou, je t'avoue. C'est un peu relou. Attends, on va te faire le con. Non, moi je suis, ouais, voilà, je suis juste à côté. Ah, ben voilà, parfait. J'allais chier un rappel, mais en fait, non, ça va, il y a juste un. Un son de Pokémon. Oh, j'ai cherché le mot là. Oui.
restaurez mon Pokémon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, mon premier KO. C'est génial. Là, comme attend dans la vidéo, là. Déjà 20 minutes. Eh ben, punaise, fonctionnalité utile. Appuyez sur le bouton directionnel pour accéder à plusieurs fonctionnalités utiles. Choisir réaction, appareil photo, changer de look, consulter les notifications. Ah, d'accord, ok. Bah non, je savais pas. Merci de me l'avoir dit. Qui s'y connaît en combat? Alors, lui, qui a une boîte de dialogue jaune, ça doit être intéressant, non? Salutations, je représente la Ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous prenez un 24 dresseur ici dans la zone sud numéro 1, vous aurez droit à un splendide récompense. Vous avez réussi à vaincre 4 dresseurs dans la zone 1. Prenons dans la Ligue Pokémon de vous remettre cette splendide récompense. Cage éclair. Ok. C'est difficile généralement dans des endroits de Paldea, n'hésite pas à relever. Ah, il y a le truc qui brille ici. Un bureau. Ok. Ok, là il y a d'autres étudiants. Ok. Alors, fais voir. Mais ça les doux. Mais j'ai des problèmes avec ces noms, je te jure. Oh. Oh. Hé, hey, Akaima! Ah, Menzi! Oh! Topkan a bien dû progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Oui, ça va. Ça faisait un combat pour te. Heureusement que je soigne un Pokémon! Allez, bon, bah c'est parti, hein. Super! Je suis trop content d'avoir un ami comme toi! Allez, Akaima, faisons de ce combat une belle expérience. C'est parti! Allez, bah, combat, et après on va s'arrêter là, hein. C'est parti! Ok, bon là j'ai l'avantage utile de pas se faire chier. Hein. Comme t'es devenu un peu plus fort, cette fois je vais utiliser deux Pokémon. Ah! Oh mon dieu! On peut faire gage, hein. Tu connais bien les affinités de type, je sens que tu as la rage de vaincre. Oui. Ok, là, il monte son attaque, ok. Ok. Bon, refeuillage, hein. Ok, le premier, ça c'est fait. Dernier vol va pas dans le poudre toxique. Ça, ça peut être intéressant, poudre toxique en vrai. On va dégager. Mimité. Moi je sais pas si je vais garder ce Pokémon, on va déjà voir ce que je trouve plus tard. Hein. Alors, Granny Vol va prendre Sparaspore. Oh mais attends, il a pris deux trucs en même temps. On dégage charge alors. Hein. Du coup j'ai que des attaques qui changent de stat en fait. Je vais l'empoisonner, le paralyser. Granivol va apprendre poudre dodo, mais... Et en vrai, tu sais quoi? Poudre dodo, c'est quand même beaucoup plus important que Parasport. En vrai, Parasport, ça dégage. Parce qu'au moins, au moins ça dort. Voilà, au moins ça dort. Ouf. Alors, il a pomme. Donc, c'est le Pokémon électrique. Non, en vrai, je sais, il faut pas qu'il y ait Pokémon de France. Oh, je pensais pas me retrouver en difficulté, tu mets de plus en plus, Akaima. Oh, ouais, ouais. De même. Mais pas pour les mêmes raisons. Bon. J'attends même pas contre toi, Akaima, mais maintenant je vais sortir le grand jeu. Ouais. C'est quoi cette merde, là? Qu'est-ce que c'est, MF, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as une ampoule sur la tête, frère, maintenant? What? Mais c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, ça? Quand Pokémon se tire à l'escalier, c'est quoi ça? Quoi? Mais je connais pas ça, mec! Ah, la meuf!
L'attaque résistance c'est vraiment puissant même quand les attaques ne sont pas très efficaces. Terra cristallisation. Mais je connais pas, moi j'ai pas regardé les trucs hein. Moi je sais pas ce que c'est. Mais attends, mais moi je peux pas le faire moi mon truc. Mais what? C'est quoi la terre? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ça, wesh? Ça a l'air, tu progresses super vite. Oui, merci, mais tu peux m'expliquer ce que c'est la terre de cristal machin chouette là? What? Ça alors, tu as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la terra cristallisation. Ah mais mince, j'ai oublié. Tu peux pas encore l'utiliser toi? Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois j'ai oublié que t'es encore un débutant. D'ailleurs, tiens, pour te remercier de ce combat, je t'offre des rappels. Merci. Mais merci, tu vois, c'est gratuit ça. Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Messanedo, où se trouve notre école. Ah bah, allez, hein. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville, c'est un peu galère. Par devant, d'accord, je vais me reprendre mon souffle ici, je te rejoindrai plus tard. Ok, si tu veux. Bah, du coup, on va attendre la... Tu peux m'expliquer ce que c'est la terrain cristallisation quand même, s'il te plaît? Je sais pas ce que c'est. Oh. Et bien. Oh la vache, c'est y a des choses à voir. Y a des choses à voir. Y a beaucoup de choses à voir. Et voilà, tu as vu, on est enfin arrivé. Ouais. Voici Messanedo, la plus grande ville de Palia. Ah ouais, d'accord, on est dans la capitale de Palia, ok. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour trouver les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Ok, je vois un truc de ballon, ça a l'air d'être pas mal. Il y a un salon de café où tu peux changer de look et aussi un délicieux restaurant de tapas. Oh, oh me parlez pas de bouffe. Me parlez pas de bouffe. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier. Oh, dans le restaurant de tapas. Oh, tu seras un grand peu gros. Oui. Ah, mais quoi, c'est de la bonne malbouffe comme on est. Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi-même quand on a le monde de vide. Tu m'étonnes. Ouais, puisqu'on parle de combat, je vais te faire en sorte que tu puisses utiliser la terra cristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe du tout. T'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant. Tu verras, elle vaut le coup d'œil. Oh, bah super, merci. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou aller manger un bout au resto. Je te recommande tout particulièrement réseau cadoiseau. On y vend plein d'objets à faire tenir un Pokémon en combat. Ok. Ok. Quand t'auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marche à monter. T'inquiète, je gère. Amuse-toi bien et à tout à l'heure. Ok, bah à tout à l'heure, Manzi. Elle est super sympa. Elle est super sympa, mais elle est pas encore au niveau de Rosemary dans Pokémon Épée Bouclier. Bon, oh, y'a un Archaodong. Waouh. Oh, ça fait une plombe que j'ai plus. Waouh, y'a des... J'ai vu comment ça s'appelle. Mais ils sont trop bien, ce Pokémon. Du coup, ouais, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est enfin arrivé à... Je sais plus le nom de la ville déjà, j'ai déjà oublié. Bref, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si on est au bout d'une demi-heure de vidéo, MDR, encore une fois. Comme d'habitude, dans la fin de chaque vidéo, vous lâchez le petit abonnement, le commentaire, le partage. Enfin, vous connaissez la chanson, le petit lien Discord dans la description. Et moi, je vous dis, bah, et portez-vous bien. Salut et à la prochaine.